on la voit pas dans cette vidéo, forcément rentrer mon buzz. Et la dame, quand on a vu en train de soutenir dame Yaoué Pierre pleurait là. Il veut devoir aller dans le commentaire de la dame pour dire que la dame, au contraire, est en train de se moquer de dame Yaoué, que pourquoi elle filme dame Yaoué en pleurs et en larmes. Et pourtant, Aya, pour prévenir ça, Aya disait que peut-être les Ivoiriens pouvaient prendre ça, les pleurs de dame Yaoué en disant à Yam Yaoué, elle n'est pas obligée de pleurer parce que les Ivoiriens, ça pouvait créer quelque chose. Et maintenant, toi, une vidéo, une grande influenceuse qui t'envoie écrire ça en bas du commentaire de la femme qui est en train de soutenir notre soeur. Parce... Et toi, tu dis que pourquoi elle a filmé en larmes. Elle n'a jamais publié la fiche de dame Yaoué. Mais elle... c'est ça là que je voulais éviter en fait. Parce que je connais les Ivoiriens. Je connais les Ivoiriens, je connais comment les Ivoiriens fonctionnent. Vous comprenez? Je savais que les pleurs là, ça allait engendrer quelque chose. Ndame Yaoué a allumé sa caméra en train de pleurer devant 2800 personnes. La dame est venue filmer pour que... Et puis actuellement, dame Yaoué là, est-ce que elle, Yves Dero, elle peut faire ça? Il y a une Togolaise qui va arriver en Côte d'Ivoire. Elle la connaît pas de nulle part, elle a jamais appelé, ils ont jamais parlé. Elle, elle va laisser ses activités pour aller soutenir la dame comme la dame l'a fait. Elle va pas faire ça. Donc, ce que toi-même, tu peux pas faire là, si l'autre est en train de faire, si tu peux pas féliciter, faut fermer ta bévette, c'est pas bien. Mais Yves Dero, elle, elle se respecte pas. Moi, je l'aimais beaucoup, j'avais beaucoup d'admiration pour elle, mais là, elle m'a déçue, vraiment. Elle m'a déçue. Avant de mettre la bouche dans quelque chose là, il faut comprendre un tout petit peu. Un tout petit peu avant de mettre la bouche dedans. Sinon, ce que la dame là a fait, elle peut pas faire. Madame Touré, ce qu'elle a fait, Yves Dero, elle peut jamais faire ça. Je sais pas si elle a bon cœur comme ça, qu'elle peut faire quelque chose de son propre gré comme ça, sans rien gagner en retour. Quelqu'un que tu connais pas du tout. Quelqu'un qui t'a pas appelé pour demander ton aide. Tu laisses ton boulot. Un samedi, elle a laissé son magasin pour venir là-bas. Venez acheter. Et aujourd'hui, la dame Yaoué, elle est où? Elle est devant chez elle. Et c'est elle-même qui appelle les gens, venez acheter. Et elle est en train de faire les ventes. Mais c'est pas bien. Ce qu'on sait, c'est que c'est son habitude. Donc, je sais même pas pourquoi ça surprend même. Moi, quand il voit son commentaire, franchement, hein, avec tout ce qu'on a vu, hein, par rapport à tout ce qui se passe, ce qu'elle a eu à faire sur la toile, moi, ça me dit absolument rien, franchement. C'est son habitude, quoi. Donc, c'est vieux ignorer qui est mieux pour elle. Voyez, celle-là, franchement. Elle veut, quand les gens, t'as deux jours, les gens ne parlent pas d'elle, là. Elle cherche coûte que coûte à ce que les gens puissent au moins, hein, puissent renchérir sur elle. C'est tout. Tu allais prendre d'abord l'affiche de ta soeur ou bien rentrer dans le live pour dire, ah, prenez-moi. Les étoiles, venez, mes étoiles du Togo, vu que toi, tu es déjà parti là-bas aussi. Allez, hein, et puis lui donner des conseils. Il ne faut plus pleurer comme ça. La prochaine fois, fais la com d'abord. Mais non, toi, tout ce que la dame a fait là, tu n'as pas trouvé. Hein. C'est où elle filme. C'est ça que toi, tu vois en mal. Mais les Ivoiriens qui sont en train de se moquer de dame Yaoué, pourquoi tu vas pas leur dire ça aussi? Parce que ces vidéos sont partout, les Ivoiriens sont en train de se moquer d'elle. Pourquoi tu ne vas pas leur dire ça aussi? Vous avez la facilité de décharger votre haine sur d'autres pays. Vous avez déjà créé vos problèmes avec le Mali. On sait tous. Hein. Toi-même, c'est toi-même qui as envoyé ça en premier dans l'affaire des 49 militaires. Là. C'est vraiment, il ne fait pas politique. Tu as commencé à parler de ça parce qu'on dit qu'ils t'ont invité au Mali. C'est devenu problème ici. Tu n'as pas encore fini ça. Hein. On est le Cameroun, on n'a pas encore fini. Deux jours là même, on s'est pris un peu le Niger. Les gens se sont pris un peu le Burkina. Dieu merci, ça a stoppé. C'est Togo, vous cherchez. Vous allez partir faire palabre. Qui va aller faire palabre avec vous et le Togolais? Vous allez partir faire palabre. C'est pas, il y a des gens, quand vous cherchez vos problèmes là, ils viennent faire palabre. Tu vas laisser, tu vas prendre tes mollets là pour aller te battre le Togolais. Qui va te suivre dedans? Ce que la dame l'a fait là, c'est trop bien, c'est trop beaucoup. Elle est obligée de faire. Toi-même, tu as déjà apporté quoi aux entrepreneurs ici? Tu as déjà apporté quoi? Vous faites ce genre de commentaires là, c'est pour créer la haine, quoi. Ça vous plaît quand la Côte d'Ivoire en parle avec des pays. C'est quoi? C'est un vix pour vous, en fait. Ça vous rend fort, quoi. Quand vous cherchez à vous installer dans un pays, là, c'est votre travail. Marcos et Pierre Poutou, c'est leur travail. Une fois qu'ils visent un pays, ils veulent peut-être s'installer au Togo ou bien au Bénin. Ils vont chercher par là-bas. Parce que forcément, si tu t'en vas insulter le pays va se lever. Et c'est en ce moment qu'on te connaît. C'est comme ça qu'Apoutou s'est fait connaître à travers beaucoup de pays. Il a fait ça les Gabonais. Il a fait ça les Gabonais, il a fait ça les Guinéens, grand pays pour ceux qui se rappellent.
Il a fait ça aussi. Ça, c'était le combat du Burkina. Mais Burkina, là, nous tous, on a fait le combat, mais lui, il allait un peu plus fort. Ça a créé des histoires d'affaires de les Maori, Nomo Namba ou bien Maori Namba là. Ça avait créé des problèmes fort, fort. Parce qu'on était dans un débat avec Aïcha. Lui, il est sorti dedans pour aller dans autre chose. Quand il a fini, là, il est venu s'en prendre aux Gabonais. Qu'au Gabon, tous les Gabonais sont homos. Les Gabonais se sont levés. Il s'est fait connaître là-bas, un créole, dans cette histoire. Il a fini là. Il est venu s'en prendre à Grand-Pé. Tous les Guinéens se sont levés parce que oui, Grand-Pé n'a pas volé. Il s'est fait connaître comme ça. Il finit maintenant, il s'en prend au Cameroun. On est tout le temps obligés parce que quand ils vont sortir, ils ne vont pas vous insulter, vous. Ils viennent insulter le pays d'autrui. Donc on est obligé de venir faire parler de ça. Actuellement, où on est, je ne sais même pas depuis quand les Camerounais et nous, on est sur le même chemin jusqu'à. On va se battre, les Camerounais. Hein? Ma conseil, c'est son travail aussi. Il y a eu l'histoire, là, il a parlé dedans, il allait s'en prendre au Sénégalais. Hein? Les Guinéens l'ont accueilli. Est-ce que pour vous faire connaître dans un pays, là, vous avez besoin de créer tout ça? Parce que Mme Yaro a fait là, c'est pas bien. Faut lui dire ça. Et puis si on doit l'encourager, on l'encourage, mais il faut lui dire sa faute. Tu vas te lever, boum, tu vas venir faire ce genre de coup. Qui va aller faire parler à ta place? Qui va venir faire parler là? Tu aimes toujours chercher les petits trucs comme ça, c'est pourquoi? Tu vas aller te battre comme elle se moque d'elle là. Toi, il faut aller payer tous les kaoulés là. Franchement, c'est fatigant. Enfin, à un moment donné, quand tu as parlé, on dit que non, c'est tu as un problème avec elle. Moi, je ne suis plus dans l'affaire de suivre les gens bêtement. Hein. Si elle doit faire parler de pays là, c'est que c'est quelqu'un qui s'est levé, qui s'est pris à mon pays en fait. Et je m'en prends à la personne. Mais pour dire qu'il y a me lever comme ça, venir me battre les pays et tout te faire des ennemis pour rien là. Si on voit bien là, les Ivoiriens même, je n'en dis quand même pas. D'autres même pas. Mais il y a des étrangers qui m'aiment plus même aussi. Donc je n'avais pas venu chercher les problèmes inutiles parce que le pays lui-même se repose. Là, c'est la Côte d'Ivoire, vous avez vu la Côte d'Ivoire même se battre. C'est quoi tout ça là? Il y a même une tête. C'est ça là. C'est pour ça qu'il a commencé à parler depuis le début. Quand elle a allumé ma caméra, j'ai vu les commentaires. L'Ivoirien d'abord, de Bordeaux avait raison. Je voyais les commentaires. Il dit, mais c'est les gens sérieux. Je suis allé voir la vidéo. Il dit, mais attends. C'est elle qui a allumé sa caméra ou bien c'est les gens qui ont allumé sur elle. Je regarde, elle était en direct, elle avait 1800 personnes. Je dis, mais quelqu'un qui allume sa caméra, elle pleure elle-même. Est-ce qu'elle a fait la communication? Je vais sur sa page. Je vais checker un peu chez les. Je vois qu'il n'y a pas eu de communication. Je dis, mais attends. Là, on m'a envoyé le lien. Je suis allé sur le direct. Elle disait sur le direct que elle a fait ça pour envoyer les gens vers elle. Qu'au début, quand elle a lancé le live, elle voulait pas pleurer. Elle voulait faire faux pleurs, puis après, pleurer est venue. Donc, c'était son buzz qu'elle a créé, en fait. Elle a dit ça. Hein. Je l'ai écouté, dit ça, pour ceux qui étaient sur le direct de Madame Yaoui. J'ai cliqué sur le lien et suis partie. Elle dit qu'au début, elle ne voulait pas pleurer, en fait. Qu'elle a allumé, elle voulait attirer les gens vers elle. Et puis, les larmes sont venues. Donc, ça veut dire qu'elle-même, ce qu'elle faisait, c'était pas du sérieux. Donc, si elle-même, elle n'était pas au sérieux que les gens rient, là, où est le problème? Je l'ai entendu dire, oui, mais je suis sourde. Elle dit qu'elle voulait pas pleurer, qu'elle voulait mettre la caméra pour faire semblant de pleurer pour que les gens viennent. Et puis, ses larmes sont venues. C'est ce qu'elle a dit. Hein? Chose dans laquelle tout le monde est dans l'émotion. Là. Elle est en train de dire ça dans le direct là-bas. Est-ce qu'on peut faire ça?